Émilie n'est plus une petite fille. Bah non. Elle s'est laissée aller de rêver de liberté. Elle se voit devenir une jeune femme aventureuse. Elle n'a plus peur. Elle peut aborder ce monde de grand sans inquiétude. Mais, depuis quelques moments, une nouvelle sensation l'anime. Depuis peu, elle remarque que les jeunes hommes la regardent différemment, ce qui provoque chez elle de la gêne, mais aussi de la fierté. Est-ce ceci quand on devient une femme? Mais comme dit sa maman, quand on est une belle jeune femme, on peut alors aspirer à rencontrer le prince charmant. Sa maman lui en a tellement parlé tout au long de ses lectures qu'elle se dit qu'il doit bien exister. Comme elle ne l'a pas vu dans l'autre monde, sauf dans les livres de maman, elle espère qu'elle va le trouver ici, dans ce pays magique. Alors elle redouble de vigilance. Elle monte sur de petites terres, de ça, de là, pour voir loin et scrute l'horizon, dans les moindres recoins, pour le voir apparaître, son magnifique cheval. Et, dans le soleil couchant, un nuage de poussière qui s'approche vers elle. D'étranges reflets avec les rayons du soleil sur son cheval, elle est éblouie tant par le soleil que ce beau chevalier qui vient de s'arrêter devant elle. Surprise remplie d'émotion, le cœur battant la chamade, elle n'entend pas ce que lui dit le beau chevalier tout blanc. D'un saut majestueux, il est maintenant devant elle à ses pieds et lui demande « Émilie, c'est vous, Émilie ? La belle princesse dont on parle partout dans le royaume ?» Elle n'en croit pas ses oreilles. Alors son cœur, qui frappe dans sa poitrine, Émilie a cru mal comprendre. Mais non, il est devant elle et lui tient la main. Maman avait raison, le beau chevalier, grand, fort, beau, ça existe bien. D'ailleurs, maman, elle a souvent raison. Puis, au moment où le chevalier blanc allait lui dire quelque chose, sa bouche s'ouvre et... Ah là 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 là, un bruit d'ambulance qui passe dans la rue fait sursauter Émilie. Ah non, mais non, elle est bien assise sur ses coussins dans son lit. La chambre est dans le noir et elle vient de réaliser qu'elle s'est réveillée. L'ambulance poursuit son bruit, son chemin dans la rue. « Vite, vite, je dois le retrouver, se dit-elle. »